Québec se souvient. Une série qui pose un regard bien actuel sur le passé de la ville de Québec, en théâtre, en musique et en histoire. Égarons-nous dans le temps et cherchons notre chemin en suivant le fil des anniversaires, fil ténu et fragile qui tranche dans les dizaines et les quinquennats pour nous conduire au cœur de souvenirs oubliés. Et ce fil, aujourd'hui, nous ramènera 350 ans en arrière jusqu'au rêve brassicole de l'intendant Jean Talon. Puis nous le laisserons filer entre nos doigts pour aller librement explorer d'autres épisodes de notre histoire en lien avec la bière, ce breuvage aux éclats d'or et au col mousseux. Mais regardons ça, l'intendant Talon. Moi, tant pis ma chance. Monsieur l'intendant! Monsieur l'intendant! Madame Lefebvre, les choses se passent bien pour vous? Je vous invite à saluer votre mari de ma part. À mon mari, justement. Attendez, je veux pas vous retarder, là. Mais j'aurais à vous causer. Paraîtrait qu'il va se brasser des grosses affaires à Québec. Puisque je souhaite revivifier l'économie de la colonie, je mets tout en œuvre pour développer l'industrie locale et l'exportation. Dieu vous garde, Madame Lefebvre. C'est tout à votre honneur, Monsieur l'intendant. Vos plans sont bien appréciés. Ça nous prenne un homme d'action comme vous. Mais il semblerait que vous avez quelque chose de gros en tête. Quelque chose que vous allez installer au bord de la rivière Saint-Charles. L'eau est pure dans ce coin-là. Mieux que celle des puits, hein? Une eau de qualité, comme vous dites? Oui, il y a bien des affaires qui prennent beaucoup d'eau. Ça prend 10 pintes d'eau pour produire une pinte de bière, pour rincer puis tremper les céréales. Mon mari est brasseur, comme vous savez. Je vois qu'on vous a bien informé. Les nouvelles vont au galop. Oui, j'ai l'intention de fonder la première brasserie digne de ce nom en Nouvelle-France. J'y vois une opportunité de stimuler les affaires. La plupart des ingrédients de la bière se trouvent en abondance ici. L'orge, pour ne faire mention que de celui-ci. La brasserie va fournir un marché pour le grain des colons, c'est assuré. Ça va les encourager à cultiver les terres, plutôt que de courir les bois pour le commerce des fourrures. Oui, cela aura aussi pour effet de limiter les achats de bière et d'alcool en provenance de la métropole française. Un commerce qui nous fait perdre quelques 100 000 livres par année en Nouvelle-France. Pour sûr. Une bière faite ici va faire épargner de l'argent à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des vins et puis des eaux de vie qui se vendent chèrement. Oui, chacun y recevra beaucoup de soulagement. C'est le sentiment des plus notables du pays qui ont fait de grandes instances pour que je commence cet ouvrage. Là-dessus, je dois vous quitter. On m'attend. C'est une belle bâtisse qui lève de terre, votre brasserie. Oh, oui, c'est un bel édifice. Partie en pierre, partie en colombage, recouvert de toits d'ardoises. 135 pieds de longueur. Il va y avoir de la place pour faire germer les grains d'orge, puis pour les faire sécher, les tourailler, les broyer, puis pour le brassage, puis la fermentation. Ça va vous prendre un bon maître brasseur pour bien gérer tout ça. Oui. Et deux chaudières nous arrivent de France. Je vise rapidement une production de 4000 barriques de bière par année. Plus ou moins 840 000 pintes. La moitié de la production sera destinée à être envoyée vers les Antilles. Mon mari travaille à la brasserie, située près du cul-de-sac. Vous savez bien que la réputation de Louis Lefebvre du Batanville est plus à faire. Je suis certaine que c'est l'homme qu'il vous faudrait pour votre projet. Je ne sais pas si je devrais vous dévoiler cet aspect du projet. Personne n'est encore au courant. Madame Lefebvre, je souhaite que vous n'ébrutiez pas l'affaire, mais... j'ai l'intention de faire pousser du houblon sur les terres au bord de la rivière Lairet. Comptez sur moi pour pouvoir dire un mot. 4000 barriques! Ça va vous prendre un homme d'expérience, puis un bon. Il faudra que la bière produite ici soit de bonne qualité, sinon nous ne parviendrons pas à concurrencer les arrivages européens. Réussir une bonne bière et pas donner à tout le monde, ça va vous prendre un homme habile. Et mon mari... C'est bien vrai. Votre mari... je n'y aurais jamais songé. Un maître brasseur. Le meilleur. Eh bien, dites-lui de passer voir mon régisseur. Si nous parvenons à nous entendre sur ses gages, l'affaire est faite. Ah, pour sûr. Ah, je vous dérange pas plus longtemps. Bien inquiétez-vous pas, je parlerai à personne de vos troublons. Mes salutations respectueuses, monsieur l'intendant. Chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir sa table pleine de cervelas et de
Jean Talon, c'est un personnage, je vais dire, marquant, ou du moins central, des débuts de l'histoire de la bière à Québec. Qui est Jean Talon, pour resituer un peu tout le monde? C'est le premier intendant, en fait, de la Nouvelle-France qui arrive en Nouvelle-France. Techniquement, c'est le deuxième, mais on oublie un peu son prédécesseur. C'est le premier qui arrive ici en Nouvelle-France. Et l'intendant, sa mission première, lui, c'est de s'occuper, dans le fond, à la, je vais dire, appelons ça la bonne gestion civile. Donc, c'est un intendant de justice, de police, notamment, et de finances. Donc, s'assurer que l'économie est en bonne santé, qu'il y a des industries un peu, ça tombe sous son, je vais dire, sous sa responsabilité. Jean Talon, quand il arrive ici, il y a un petit... il arrive d'une carrière militaire, il est habitué de gérer un peu des territoires, des gens avec qui il était notamment intendant du Hainaut. Il arrive ici, il se rend compte que, de un, il n'y a pas beaucoup d'industrie, mais de deux, il se rend compte qu'on ne connaît pas énormément les habitants qui sont dans la colonie qui, au milieu des années 1660, ça fait presque 60 ans, en fait, que la colonie a été fondée, puis on ne sait pas vraiment qui sont ici. Donc, il va se lancer dans le premier recensement de la Nouvelle-France. Il va s'assurer d'aller chercher autant d'informations possibles. Il se rend compte, en fait, son constat est assez alarmant, dans le sens qu'il se rend compte que c'est une population qui est très petite et c'est une population qui est à grande majorité d'hommes. Donc, il doit faire quelque chose pour s'assurer qu'il y ait un peuplement plus durable dans la colonie, mais s'assurer aussi qu'il y ait des industries ou enfin un soutien à ces gens-là. Ça va le motiver, si on veut, au cours de sa carrière, à prendre des grandes décisions. Donc, c'est notamment l'intendant Talon qui va amener ici les filles du roi, donc ces femmes qui cherchent mari. Ça va être un de ses bons coups. Ça va l'amener aussi à fonder des grandes entreprises, de grandes industries qui vont lui permettre, en fait, dans sa tête, de stimuler ou en fait d'inviter des gens à rester ici pour qu'ils puissent entre autres, être en mesure de s'habiller des pieds jusqu'à la tête avec des produits qui seraient produits dans les colonies. On va avoir des succès qui vont être mitigés chez Jean Talon parce qu'on a quand même une ville, quand il arrive ici à son recensement de 1666 dans la ville de Québec, c'est moins de 600 habitants. Dans la vallée du Saint-Laurent, c'est un tout petit peu plus de 3000 personnes. Jean Talon, avant d'arriver à Québec et donc d'être nommé intendant de la Nouvelle-France, avait déjà une carrière, je vais dire, dans l'administration civile et militaire du Royaume de France. Et donc, son poste précédent, juste avant Québec, c'est celui de l'intendant du Hainaut, où il s'était, semble-t-il, assez bien tiré d'affaires. Mais le problème à ce moment-là, c'est que c'est pas nécessairement important d'être un intendant efficace, c'est pas nécessairement important d'être l'intendant le meilleur pour faire un travail, mais c'est l'intendant qui est le mieux connecté. Et à ce moment-là, donc, c'est la famille de Talon qui lui permet d'être justement dans les faveurs, et ça va se rendre jusqu'au ministre Colbert, qui va permettre justement à Jean Talon d'avoir ce mandat-là ici à Québec. Et Colbert va rester un personnage qui va rester important durant tout le séjour de Talon à Québec. Pour à peu près n'importe laquelle des grandes industries, des grands projets, on sait que c'est grâce aux appuis qu'il va y avoir en France que Talon va être en mesure de pouvoir les réaliser et les mener à terme. Quand Jean Talon arrive dans la colonie et qu'il est le premier intendant à venir ici, c'est une nouveauté pour la colonie parce que depuis la fondation par Champlain, c'était grosso modo entre les mains du gouverneur que tout le pouvoir, toutes les décisions se prenaient. Parce que cette colonie stagne un peu aux yeux de la couronne, c'est pour ça qu'on essaie de changer son administration. Ça va être la création du conseil souverain sur lequel va siéger le gouverneur en tant que un peu responsable de la colonie, mais qui s'occupe surtout des affaires militaires, de la défense de la colonie, l'intendant qui s'occupe des finances et aussi l'évêque. Et cette dynamique-là, avec ces trois personnages clés, plus une série de conseillers, va être très importante pour la brasserie de Talon aussi, parce que Talon va s'occuper, va aller travailler un petit peu sur les sensibilités au sujet de sa brasserie pour essayer d'aller chercher, disons, des assouplissements sur d'autres parties du commerce. Donc ça, c'est vraiment central. Avant Jean Talon et sa brasserie, il y a de la bière à Québec. Mais on n'en parle pas ou on en parle moins quand on veut parler de brassage industriel. La raison, c'est qu'on parle essentiellement, je vais dire, de production domestique. Mais c'était quand même un breuvage qui était assez répandu. Donc, on sait par exemple que Louis Hébert, à qui on donne le titre de premier colon de la Nouvelle-France, aurait eu une cuve pour brasser de la bière. On sait que les communautés religieuses, notamment les Récollets, qui sont du côté de Sillery, les Jésuites, vont avoir des cuves aussi pour leur propre consommation, en fait, leur propre brassage et consommation de bière. On sait qu'il va y avoir des bits de boissons. Donc, les premières auberges, si je me rappelle bien, c'est autour du milieu des années 1640 qu'on va avoir des autorisations pour avoir un endroit où on peut vendre des boissons alcoolisées, notamment de la bière. Donc, il va possiblement y avoir cette consommation-là qui est un peu répandue, mais généralement, le breuvage qui est la bière, ou en fait
un breuvage qui s'apparenterait à la bière. C'est beaucoup plus une consommation domestique ou du moins, je vais appeler ça un brassage domestique. Les habitants de la Nouvelle-France étaient connus pour faire un breuvage qu'on appelle le bouillon. Donc, c'était une espèce de mélange où on prenait une boule de pain qui était crue, donc pas cuite, qu'on laissait fermenter dans l'eau. Et ce breuvage fermenté-là, on l'assaisonnait, je vais dire, d'herbes qu'on avait sous la main. Et on buvait ce breuvage-là, qui en faisait l'équivalent d'une petite bière maison, pas très alcoolisée, mais qu'on pouvait avoir comme consommation, je vais dire, de base. Ça ne veut pas dire donc non plus qu'on ne buvait pas d'alcool, parce que ce qui est très populaire en Nouvelle-France, et malgré la petite population, on a des dépenses qui sont considérable pour l'importation de vins et de spiritueux, qui, eux, ont la cote, notamment chez les gens qui sont un peu plus en moyen, qui, eux, ne sont pas obligés, disons, de faire seulement le brassage de leur petit bouillon maison. Donc, on va avoir des vins, des spiritueux, des eaux de vie. Et c'est donc tout cet écosystème-là qu'on essaie de changer avec l'arrivée de la bière. Donc, Talon se dit justement, non seulement on a un potentiel ici à pouvoir produire de l'alcool, mais en plus de ça, on a énormément de terres où on peut produire du grain. La logique de Talon, c'est de dire « Allons-y, utilisons le grain qu'on fait pousser ici pour ensuite produire de la bière qu'on pourra boire ici et aussi exporter, ce qui pourra potentiellement en faire une industrie qui va être intéressante. » Son plan est mis en place très rapidement. On sait que dès 1666, il a des correspondances avec le ministre Colbert où, justement, il va se faire autoriser l'achat de deux grandes cuves de brassage. Mais ça lui prend un endroit pour brasser ou, en fait, pour installer ses cuves de brassage, donc ça lui prend aussi un bâtiment. Et c'est ça qui va amener Talon à construire la première grande brasserie de Québec, un bâtiment qui est assez gros, qui est assez grand. Toutes les étapes de la production de la bière, c'est-à-dire, peuvent être réalisées dans ce bâtiment-là. Mais il y a une autre raison, qui est probablement une des raisons principales pourquoi Talon se tourne vers la bière. Ça va avec le premier ingrédient de la bière, c'est l'eau. Et c'est l'eau qu'on avait besoin. Et de l'eau ici, l'avantage, c'est qu'on en a à proximité, on en a de grandes quantités. Le bâtiment se trouve juste à proximité de la rivière Saint-Charles. Semble-t-il que dans la falaise, on avait des sources qui étaient réparties un peu partout. Donc, l'eau, c'est probablement aussi parmi les ingrédients de la bière, celui qui était le plus difficile à déplacer. Parce que mettre des grains en minot, on peut l'embarquer ça sur des bateaux, ça va bien. Du houblon, en plus, on peut en faire pousser ici, c'est ce que Talon va faire d'ailleurs. Il va faire pousser son propre houblon, c'est une plante grimpante qui survit très bien au climat qu'on a ici à Québec. Puis finalement, la levure, bien, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour amener des boules de pain qui ne sont pas cuites, par exemple. Ces trois ingrédients-là, qui sont les autres ingrédients de la bière, Talon peut les déplacer, alors que l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Donc, Québec est vraiment un endroit tout destiné à ça. Il va pouvoir aller voir en plus le Conseil souverain, plaider auprès de Mgr Laval pour lui dire « Hey, voyez-vous, on va baisser la consommation de spiritueux et de vin dans la colonie, ça va être une bonne chose pour nos fidèles et on va permettre aux gens de travailler, de pouvoir se développer ici, on va faire du commerce vers l'extérieur. » Ça, c'est des arguments pour le gouverneur aussi et pour la couronne. Donc, Talon, c'est vraiment un peu de flatter l'ego à tout le monde et c'est pour ça qu'on va avoir des tarifs qui vont être imposés sur les importations de vin pour aider à la production de la bière ici à Québec que Talon va faire. Donc, c'est vraiment, je vais dire, tout un ensemble. Son plan, il est quand même bien réfléchi. Non seulement il vient produire de la bière pour utiliser les grains de la colonie, mais en plus de ça, il veut en exporter, il bloque les entrées. Donc, c'est vraiment toute une chose. Talon, en plus, en profite parce qu'il y a sur ses terres où on va produire des grains, sur ses terres où on va produire du houblon. Donc, il est assez bien, disons qu'il avait assez bien passé son plan pour pas sortir de ça avec les mains vides. Talon va commencer, en fait, à bien brasser sa bière et on va se rendre jusqu'à une production d'à peu près 4000 barriques. Donc, l'objectif de Talon, il va l'atteindre. Le but, c'est vraiment d'en garder 2000 barriques pour la consommation locale des moins de 4000 habitants. Donc, ça fait beaucoup de barriques par habitant par année si on consomme pas seulement que ça. On implique ça directement dans le commerce triangulaire, donc on envoie 2000 barriques vers les Antilles. Mais rapidement, en fait, on va se rendre compte que, disons que c'est une production qui est assez audacieuse. C'est un plan qui est assez audacieux et c'est un plan qui devrait être soutenu à très long terme pour pouvoir fonctionner. Le problème, c'est que Talon va finir par être rappelé en Europe, donc son mandat d'intendant de la Nouvelle-France va se terminer. Il va y avoir un nouveau gouverneur aussi qui va arriver en Nouvelle-France, un certain Louis de Buade, comte de Frontenac. Et Frontenac ne verra pas du tout du même œil. Donc, d'un, c'est un gouverneur qui va être une figure beaucoup plus, je vais dire, visible. Il ne verra pas du tout du même œil les limitations qu'on avait mises sur l'eau de vie et le vin français. Il va réussir au Conseil souverain à faire lever ces limitations-là. Et à partir du moment où on les lève, bien, là, la popularité de la bière, ou en fait de la bière de Talon, diminue rapidement. Donc,
On peut dire grosso modo que Talon va réussir à brasser de la bière ici à Québec entre 1670 et 1675. Qu'à 1675, la production va décliner rapidement. On ne verra plus d'autres brasseurs de taille industrielle durant tout le reste de la Nouvelle-France sur le territoire de la ville de Québec. Il y a une dizaine, presque une vingtaine en fait, d'autres brasseurs qu'on peut identifier pour le reste de la Nouvelle-France, mais aucun autre a eu, je vais dire, l'importance ou du moins l'objectif que s'était fixé Jean Talon à ce moment-là. Mais ça laisse des preuves, une entreprise comme celle de Talon, notamment, je l'ai presque dit, un bâtiment. Donc, le bâtiment de Talon, qui était sa brasserie, c'est un bâtiment qui était monumental dans la ville de Québec à l'époque. C'est un bâtiment qui était construit en basse-ville, qui était construit, je vais dire, à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. On est près du fleuve, près des voies navigables. Ça reste quelque chose qui est très intéressant au niveau stratégique. En fait, qu'après le départ de Talon et après la fermeture de la brasserie, les autres intendants qui vont venir s'établir ici dans la colonie vont en faire leur palais. Rapidement, avec les années, la charge d'intendant ou du moins l'expansion de la colonie va faire en sorte que c'est l'ensemble du territoire autour de la première brasserie, donc du premier palais de l'intendant, va devenir associé à l'intendance de la Nouvelle-France. Il va y avoir un incendie de ce premier palais-là autour de 1713. On va reconstruire de l'autre côté de la cour, si vous voulez, un deuxième palais. Donc, et ça va rester pour le reste de la Nouvelle-France le lieu de pouvoir des intendants, en fait, qui est à la base la première brasserie que Jean Talon avait fait construire dans les années 1660 à Québec. J'y viens, mon ami, j'y viens. Laissez-moi vous expliquer en détail comment cette affaire sera conclue. Dieu du ciel, vous allez partir du déluge. Que ce soit bien clair, Georgélie, je n'ai jamais douté du succès de vos entreprises. Mais ce soir, vous m'inquiétez. Vous faites bien du mystère. Joséphine. Voilà une dizaine d'années lorsque j'ai renoncé à la communauté de biens pour mettre les avoirs familiaux à l'abri des créanciers. Je savais que la corsetterie que vous alliez fonder serait florissante. Et la Dominion Corset s'est avérée un fleuron de cette ville. Mais avec la brasserie, j'ai eu quelques réticences. Vous êtes prudente, mon amie. Vous ai-je dit que j'avais remarqué cette fabrique il y a longtemps? Une affaire partie de rien. D'un petit ruisseau, le Rock Spring, qui descend du cap à la hauteur des rues Arago et Sauvageau. Je savais, le déluge! Elle avait appartenu au Mécalum, n'est-ce pas? Pas au début du siècle. Non, c'était une modeste distillerie, pour ensuite devenir une brasserie. Plus tard, elle est passée sous le contrôle d'un des membres de la famille Mécalum, comme vous le dites. Il s'y produisait
200 000 gallons de whisky par année. Mais en l'achetant en 1895, vous avez voulu la transformer à nouveau? Les affaires marchaient bien avec les boissons fortes. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la bière? C'était votre idée ou celle de Pierre-Joseph Côté avec qui vous étiez associé? Vous allez rire, mais je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que c'est comme ça qu'est née la brasserie Rock Spring. Et son grand succès populaire, la bière Foxhead. Bon. Mais vous, allez-vous enfin me dire ce qui arrive avec la brasserie? Vous mettez sur les braises. J'y arrive. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, Côté assumait les deux tiers de l'investissement et consacrait tout son temps à gérer l'entreprise, moyennant un salaire de base. C'est ça. Et vous auriez dû garder un meilleur contrôle. Côté a fait de la belle ouvrage. Ça s'est bien passé pendant qu'il était là. J'avais confiance en lui, au point où j'avais ajouté une clause dans la déclaration de société qui me permettait de racheter de ses parts et de m'engager moi aussi à temps plein si les profits de la brasserie dépassaient annuellement les 10 000 $. J'ai toujours pensé que vous aviez fait cet investissement comme solution de remplacement en cas d'échec de la Dominion Corset. Ai-je raison? Je sais moi aussi me montrer prudent à mes heures. Puis un an plus tard, le marchand de bière, Michel Gauvin, a remplacé Côté dans l'affaire, qui est devenu Amio et Gauvin. Et les années ont passé. 14 ans. Et je suis prêt à vendre. Dieu soit loué. La Dominion Corset va bien. Et ce revers avec la brasserie sera de peu de conséquences. Qui vous a parlé de revers? Mais le temps que vous aviez? Tout le mystère dont vous entourez cette transaction? Ah, comme je viens de le dire, j'ai racheté sa part à Gauvin, puis j'ai effectué plusieurs transactions financières qui se traduisent par de gros profits. Et demain, je signe la vente de la brasserie à la National Breweries Limited. Je devrais vous gronder. Une vente de 226 500 $ en actions et débentures de la National Breweries. Je devrais vous priver de dessert comme un enfant. La vente fait l'affaire de l'acheteur, puisqu'ils sont en train de réussir le regroupement de la plupart des brasseries québécoises de Québec et de Montréal. Et nous? Eh bien nous, ça m'a tout l'air qu'on peut sonner pour faire servir les pâtisseries. Après la conquête, puis même, je veux dire, avant que l'encre soit séchée sur le traité de Paris de 1763, les brasseurs anglais vont commencer à arriver dans la ville de Québec. On le sait parce qu'on a la première trace d'un brasseur, d'un vrai, je vais dire, brasseur, c'est en 1762. Donc, avant même que la ville de Québec soit officiellement anglaise, il y en a un qui vient s'établir ici, un certain William Wold. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que ce sont des brasseurs, je veux dire, professionnels qui viennent tout de suite s'établir à Québec. Pour ça, il faut attendre quelques années. Et c'est intéressant parce que toute l'industrie brassicole qui va naître, qui va ensuite se développer, va subir l'influence de, je vais dire, différents entrepreneurs qui sont derrière celle-ci. La première vague de ces entrepreneurs anglo-saxons qui s'installent à Québec, on la voit arriver avec la création de distilleries puis de brasseries. Ces distilleries-là et brasseries ont d'abord comme objectif de vendre du grain. Donc, ces premiers entrepreneurs-là, plutôt qu'être des brasseurs en tant que tels, ce sont d'abord des propriétaires terriens, des gens qui ont réussi à mettre la main sur des grandes parcelles de terre, non seulement ici à Québec, autour de Québec, du côté de Beauport notamment, mais sur toute la rive sud, qui vont prendre leur grain et non seulement veulent vendre leur grain, mais vont aussi le transformer. Ça, ça va donner naissance à des brasseries qui vont connaître un certain succès à Québec. On pense par exemple à la Cape Diamond Brewery, qui va s'installer du côté du Quai de la Reine. Donc, on est plutôt dans le secteur, je vais dire, vers l'ouest un petit peu de la ville, de la basse ville de Québec.
C'est plus dans ce secteur-là qu'on s'installe et tranquillement, pas vite, on est dans les années 1770-80 avec les premières installations. Et on va migrer tranquillement, pas vite, plutôt vers l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Ensuite de ça, vous avez la Saint Rock Brewery qui, malgré son nom qu'on pourrait associer au quartier Saint-Roch, s'installe plutôt, elle, c'est presque, je vais dire, à la pointe, au point de rencontre entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. On est vraiment tout à la pointe, mais ça va être une constante, hein, ça, durant tout le 19e siècle, d'avoir ces grands groupes de brasseurs-là installés près des rivières. Et les brasseries vont continuer à s'installer en s'en venant sur le bord de la falaise, dans le bas de la falaise, en remontant le cours de la rivière Saint-Charles jusque vers l'actuel quartier Saint-Roch. C'est ça qui va être le secteur des brasseurs. Donc, je le disais, au départ, on a des familles de brasseurs qui sont essentiellement des familles de propriétaires terriens qui veulent se débarrasser ou en fait trouver une façon de vendre leurs grains. C'est des grands propriétaires anglais. On n'a qu'à penser à des gens comme Thomas Dunn, très connu dans la région de Québec, qui va aussi être impliqué en politique. Donc, ça fait partie de la première élite anglo-saxonne, disons, qui s'installe après la conquête. On va avoir des marchands comme les familles Ainslie, Grant, Young, donc qui sont des gens avec énormément de capitaux et de ressources qui vont faire leur fortune ici. Et c'est, je vous dirais là, dans la première décennie des années 1800 que l'industrie de la bière, plutôt que de devenir une industrie, je vais dire, où on essaie de faire sortir l'argent et sortir le grain, où on va commencer à développer une industrie, je vais dire, typiquement brassicole à Québec. À ce moment-là, la Cape Diamond Brewery change de main, va être rachetée par Thomas Dunn, le même premier grand capitaliste, mais Dunn, lui, va pour la première fois engager quelqu'un qui s'intéresse pas mal à la bière, un certain John Racy. Racy est particulier parce qu'il est arrivé à Québec au tournant du 19e siècle. C'est un médecin de formation, mais en Angleterre, lui, il vient d'une famille de brasseurs. Donc, il va être engagé pour gérer la Cape Diamond Brewery de Thomas Dunn. Et rapidement, en fait, il va en faire une, je vais dire, une entreprise très profitable, tellement que Racy, pour le reste de sa vie, va quasiment ignorer sa pratique de la médecine. Et c'est un des seuls hommes, durant la première moitié du 19e siècle, à pouvoir vraiment faire une fortune ou, en fait, faire très bien mener sa vie de l'exploitation d'une brasserie, dans ce cas-là, la Cape Diamond Brewery. Mais il ne sera pas seul, parce qu'à côté, je parlais de la Saint Rock, et elle est importante, la Saint Rock aussi, parce que même si nos grands propriétaires qui ont fondé la brasserie vont essayer de s'en départir avec les années 1800, en 1813, ils vont la vendre à une deuxième famille, la famille des McCallum. Et ça aussi, c'est un nom qui va être important pour la brasserie à Québec, parce que les McCallum vont rester impliqués dans l'univers brassicole de Québec de 1813, donc à partir du moment où le patriarche commence à exploiter la brasserie Saint Rock, jusque très tard dans les années 1870 et 80. Donc vraiment, c'est une famille qui est au cœur de l'industrie brassicole durant tout le 19e siècle. Donc ces deux brasseries-là, tranquillement, pas vite, vont être, je vais dire, au cœur de l'écosystème, mais elles ne sont pas les seules. Parce qu'avec les années, il va y avoir une poignée, voire quelques dizaines de brasseries qui vont arriver par-ci, par-là, qui vont éclore, qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, mais qui n'auront pas le succès d'un côté de la Cape Diamond Brewery de John, qui est exploitée par John Racy, ou de la Saint Rock, qui va devenir la McCallum Brewery un peu plus tard, de la famille McCallum. Et je dis la famille McCallum parce que je les mets ensemble, parce qu'ils vont être propriétaires de la Saint Rock, ils vont fonder leur propre brasserie qui entre en compétition directe à un moment donné dans les années 1840. Donc bref, c'est vraiment une famille qu'il faut garder un petit peu en tête et que je vais regrouper. Et tout ça, en fait, ces joueurs-là vont voir finalement un dernier joueur qui fait partie de cette, je vais dire, troisième génération, après nos propriétaires terriens, après des grands hommes d'affaires qui vont s'intéresser un peu plus à la bière, mais là, on a vraiment des brasseurs qui s'installent. Cette génération-là, avec bien sûr les fils du patriarche McCallum, qui eux vont rester dans l'industrie de la bière très longtemps, il va y avoir un autre homme, ou en fait un autre patriarche qui arrive ici à Québec, et qui va être très important, c'est lui qui va prendre les rênes de la deuxième brasserie fondée cette fois-là par John Racy, la Racy's Brewery. Et cet homme-là, c'est un certain Joseph Knight Boswell. On a l'air sur une lancée dans l'industrie brassicole à Québec, mais les problèmes vont nous attendre. La famille McCallum les vit, je vais dire, de plein fouet. En 1836, les installations qu'ils exploitent de la Saint Rock Brewery vont brûler. Le fils McCallum qui s'occupe de cette brasserie-là va dire qu'il va reconstruire, mais qu'il ne sera jamais capable de s'en remettre. Puis c'est un peu le premier des grands malheurs qui s'abat sur la famille McCallum. Leurs installations vont rebrûler dans les grands feux des quartiers, notamment en 1845, le feu du quartier Saint-Roch. Ça ne veut pas dire qu'ils
s'en vont tout à fait du paysage brassicole, mais ensuite de ça, ce sont les mêmes défis que les autres brasseurs. Parce qu'en parallèle à ça, notre ami Boswell, lui, sa pratique dans les années 1830 commence à prendre de l'ampleur. Il se met de l'argent de côté tellement qu'en 1852, il ouvre sa propre brasserie, la brasserie Anchor, qui va devenir la Boswell. Et je vais simplifier ça en l'appelant la Boswell pour le reste du temps. Ces joueurs-là, tranquillement, pas vite, se rendent compte qu'ils ont à jouer entre eux, qu'ils ont des productions qui augmentent, qu'ils ont à jouer contre tranquillement, pas vite, des joueurs de l'extérieur, notamment de Montréal, un certain Molson qui prend toujours une petite place, c'est pas le plus gros, mais il est toujours là, un certain Dow qui commence à être pas mal influent du côté de Montréal. On essaie de trouver nos façons, disons, de continuer d'exploiter les brasseries toutes dans le même secteur de la ville. On est un peu pris dans ça, tellement que les gros joueurs, notamment Boswell et McCallum, pour vous donner une idée, vont acheter ce qu'était la brasserie Saint-Roch, qui est devenue la brasserie Saint-Charles. En 1861, ils l'achètent juste pour la fermer. Donc, ça vous donne une idée à quel point ça peut jouer dur. Comme on l'a vu, on a quelques Canadiens français qui essaient aussi de tirer leur épingle du jeu. On parle de Proto et Carignan, qui vont être à peu près les deux seuls Canadiens dont on a une preuve véritable au début du siècle, qui vont réussir à exploiter une brasserie pendant quelques années. Mais ça ne dure pas. La plus belle réussite vient justement avec notre ami Tanguay qui va réussir à ouvrir et à exploiter la Foxette pendant une vingtaine d'années. Et lui, il le fait juste à un bon moment, juste après les problèmes économiques de 1870 et 1880. Imaginez qu'ils vont faire fermer la brasserie McCallum pour de bon, qu'ils vont forcer Boswell à louer ses propres installations avant d'être capable de les racheter dans les années 1880. Donc, c'est un coup majeur. Et dans les années 1880, on recommence avec une nouvelle ère d'exploitation. Mais là, la petite compétition qu'on avait de Montréal s'en vient pas mal sérieuse. Les gens sont capables de plus en plus de faire voyager leur bière de façon efficace. On va avoir des procédés qui permettent d'embrasser de plus en plus. Et ça va faire en sorte que cette industrie brassicole-là de Québec, au tournant du 20e siècle, n'aura pas le choix que de se remettre en question. S'ils veulent survivre dans cet écosystème de brasseurs-là, qui est maintenant un écosystème de toute la vallée du Saint-Laurent, de Québec jusqu'à l'Ontario, ben à ce moment-là, il semble qu'il va falloir qu'ils changent leur façon de s'organiser. Et ces changements-là vont venir avec la création en 1909 du groupe National Breweries, un consortium qui regroupe notamment la Boswell à Québec et qui va faire en sorte aussi que la Foxette va se retrouver là-dedans. On a plus d'une dizaine de brasseries du côté de Montréal qui vont s'impliquer là-dedans. Tout ça pour essayer de mettre la main sur le marché de la bière dans la vallée du Saint-Laurent, donc entre Montréal et Québec, pour qu'on ait un vrai gros joueur. Pas mal plus gros même à cette époque-là que Molson, qui eux vont faire preuve quand même de résilience dans tout ça sans s'embarquer dans le consortium, vont réussir au courant du 20e siècle malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Comme on l'a vu avec l'ami Tanguay il y a quelques minutes, en fait, ce personnage-là est central d'une partie, je vais dire, cruciale de la ville de Québec. La bière, là, c'est une industrie qui est, je vais dire, lié dans l'ADN, malgré tout, de la ville de Québec. Talon, en Nouvelle-France, a essayé de faire une grande industrie, puis ça n'a pas fonctionné. Au 19e siècle, on voit les entreprises comme ça qui vont exploser, mais qui vont ralentir dans les années 1870. Et cette renaissance-là, qui est justement le fait de notre ami Tanguay avec la Foxette, mais avec d'autres entreprises de l'époque, comme on a entendu la Dominion Corset notamment, c'est le témoin de la révolution industrielle qu'on va vivre à Québec. Les gens ont en tête 1780, des fois en Angleterre, bien à Québec, c'est presque 100 ans plus tard qu'on la vit, cette révolution-là. Et donc, cette entreprise-là, le fait qu'on a des Canadiens français qui tranquillement, pas vite, vont réussir à avoir les reins assez solides pour aller se frotter avec ces gros joueurs anglais qui, eux, tranquillement, pas vite, commencent à retirer leur argent un petit peu de Québec, se déplacent vers Montréal et vers Toronto, bien, c'est vraiment le témoin d'une époque. Garde du Sceau. Garde du Sceau. J'avais peur que vous ayez décidé de ne pas venir. Il faut faire assez vite, docteur Mercier. J'ai les dossiers, mais quelqu'un peut se rendre compte de leur disparition à tout instant. J'ai eu le temps de parler à mes collègues, les docteurs Morin et Têtu. Le premier cas insolite qu'on a pu observer semble remonter à août 1965. Près de 6 mois plus tard, il y en a eu encore des nouveaux. Oui. Vos observations couvrent une période assez semblable. Tous des dysfonctionnements du myocarde. Cardiomyopathie insolite. Avec les cas qu'on a eus et ceux que je vois dans ces dossiers,
J'évalue qu'une cinquantaine de patients se sont présentés dans les hôpitaux de la région de Québec avec les mêmes symptômes inhabituels. Ce sont quasiment tous des hommes qui avaient entre 30 et 50 ans. De gros buveurs de bière. Certains consommaient plus de 6 litres par jour. La douleur épigastrique, cyanose généralisée, gêne respiratoire, bruit diastolique. Et le plus troublant, les patients sont souvent des débardeurs du port de Québec. Et 20 d'entre eux sont décédés. Et parmi ces 20-là, 14 sont morts dans les 24 heures suivant leur hospitalisation. Qui peut encore croire à une coïncidence? Du jamais vu, je vous l'avais dit, inexplicable. Ah, peut-être pas. Regardez, j'ai plusieurs analyses de laboratoire. Les études de tissus réalisées après autopsie signalent une pathologie myocardique spécifique de cause inconnue. Mais surtout, une altération de la thyroïde semblable à celle que provoquent les intoxications chimiques. Alors la rumeur pourrait avoir un fond de vérité. Quelle rumeur? Il faut que je rapporte ça. Je perds ma place si quelqu'un constate que j'ai sorti les dossiers... Dussault, quelle rumeur? Que les victimes sont mortes après avoir bu de la bière fabriquée par la brasserie Dow de Québec. La bière? La bière aurait pu contenir une substance toxique? Comme l'empoisonnement à l'arsenic de milliers de caisses de bière en Angleterre en 1900. Il y a eu des dizaines et des dizaines de victimes, mais ici, il s'agit d'un produit très différent. Les débardeurs du port. La bière Dow est très populaire. Mon beau-frère travaille au traversier, puis il boit juste ça. Est probablement abondamment distribué dans les tavernes autour du port, puisqu'elle est fabriquée à deux pas de là. Faut agir. Faut agir vite. Demain, je vais faire des analyses plus poussées. Et en retournant à l'hôpital, je vais prévenir la santé publique. Nos découvertes sont encore un peu échevelées, mais elles pointent assez distinctement dans la direction d'un problème d'empoisonnement pour que les autorités sanitaires en soient informées. Faites pour le mieux. Bonsoir, docteur Mercier. Tenez-moi au courant. Garde Dussault, merci. Je vous téléphone dès que j'ai les résultats des analyses. En 1909, quand on fonde National Breweries, une quinzaine de brasseries qui vont au départ être dans ce consortium. Un consortium qu'on veut d'abord pour survivre, se mettre ensemble, lutter contre les grosses influences des gros joueurs, notamment de l'Ontario. Ils sont tous des noms que les amateurs de bière, et pas les, même pas les amateurs tant que ça, mais des gens jeunes et moins jeunes connaissent encore aujourd'hui. Hein. On pense au O'Keefe, au Labatt, qui vont essayer de venir prendre des parts dans le marché du Québec. Et aussi, ce que ces joueurs-là qui font National Breweries veulent, c'est survivre ensemble face à Molson, qui est quand même un joueur, sans dire aussi gros, majeur, mais c'est quand même un joueur très important, qui a les reins très solides, qui a un excellent réseau de distribution. Mais comme dans n'importe quelle grande fusion et création de grands consortiums comme ça, bien, tranquillement, pas vite, la direction va se dire que 15 sortes de bières différentes pour les consommateurs, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, tranquillement, pas vite, avec les années 10, avec les années 20, on va voir des marques de bières disparaître. Ce qu'on connaissait, nous autres, ici, comme étant la Boswell, au courant de la première moitié du 20e siècle, va tranquillement disparaître et laisser la place à la Dow, ou, comme on dit à Québec, à la DA. Donc, et la bière qu'on buvait, c'est la même chose avec toutes les autres marques. Qu'on pense à notre ami Tanguay et sa Foxhead, qu'on pense à toutes les autres, soit elles vont être, disons, prises dans ce consortium-là, ou soit elles vont être finalement achetées et les installations vont tout simplement être démantelées. C'est pour ça que quand on est rendu au milieu du 20e siècle, à Québec, il nous reste à peu près seulement que les terrains de la Dow, donc de la Boswell, si vous voulez, autour de l'îlot des Palais, les bâtiments qui sont un petit peu à proximité aussi, sur lesquels on va produire encore de cette bière-là. C'est la bière Dow et c'est la bière qui est la plus populaire. Pour vous dire à quel point ça va jouer dur, cependant, les années 1930-1940 amènent l'arrivée un peu de la publicité qui va faire en sorte que des marques de bière de l'extérieur vont se mettre à annoncer dans les journaux, par exemple, qui vont faire en sorte qu'ils vont mettre une pression supplémentaire sur les joueurs de Québec. Mais le consortium de National Breweries, je vais dire, s'en sort assez bien. Passe à travers, par exemple, des poursuites où on va leur dire qu'ils essaient de fixer les prix de la bière parce qu'ils vont avoir la part du lion dans la province de Québec.
On dit que jusqu'au début des années 60, ce groupe-là a jusqu'à 85 % dans la région de Québec de tout le marché de la bière. C'est immense. C'est presque un monopole à 85 %. Donc, on a de la difficulté à s'imaginer ce qui a pu faire en sorte que ce gros patrimoine industriel-là, donc de National Breweries, qui avait une de ses plus importantes manufactures, et puis on ne se gênait pas hein, pour faire de la promotion qu'on disait qu'ici à Québec, on brassait sur le même site qu'on brassait de la bière il y a presque 300 ans avec Jean Talon. Quand National Breweries fait partie d'un deuxième consortium plus grand, ontarien cette fois-là, qui s'appelle Canadian Breweries, en 1952. On ne gêne pas pour quand même mettre de l'avant la brasserie de Québec dans tout ça. Mais à un moment donné, cette brasserie-là va être appelée à disparaître. Et cette disparition-là se fait, mes amis, assez rapidement. Autour de 1965, on va avoir des buveurs de la région de Québec. Exclusivement des buveurs de Da et exclusivement de gros buveurs qui se mettent à tomber malades. En fait, c'est l'enveloppe de leur cœur, le myocarde, qui se met à s'inflammer, s'infecter. C'est une maladie au départ qui est mystérieuse. Et mis à part le fait qu'on disait que c'est des gros buveurs, ben on n'avait pas trop de points en commun en ces gens-là. Surtout des hommes, oui, mais c'était pas que des hommes. Et là, on se rend compte qu'ils boivent beaucoup. On se rend compte qu'ils boivent beaucoup de bière d'A, de la bière qui est vraisemblablement brassée ici à Québec. Donc, les autorités de santé publique, eux, c'est ça le lien qu'ils ont. C'est le fait qu'on a de la bière d'A qui rend des gens malades. On se met à faire une inspection des lieux, une inspection du processus de brassage. Depuis déjà quelques dizaines d'années, les grandes brasseries industrielles commençaient à expérimenter avec certains additifs pour essayer de, je vais dire, pallier à certains besoins qui disparaissaient un peu dans le brassage industriel. On essaie de brasser plus vite, d'aller plus vite dans des plus grandes cuves. On perd un peu le savoir-faire artisanal, donc il faut essayer de pallier à certains manquements. Une de ces façons qu'on avait trouvées ou avec laquelle on expérimentait, c'était l'ajout du sel de cobalt, qui aurait permis, semble-t-il, de donner un meilleur collet à une bière qui aurait peut-être un peu moins fermenté. Et les autorités de la santé publique, donc de la Ville de Québec, en 1966, sortent très fort avec ça, en disant que justement, il semble qu'on ait trouvé une concentration ou des traces de sel de cobalt importantes dans les cuves de la brasserie d'A et que ce serait ça qui serait vraisemblablement le produit responsable de ces malades et même donc de cette dizaine et plus de morts qu'on a eu à Québec à cause de cette consommation excessive de bière qui avait été bonifiée, si on veut, par le sel de cobalt. Canadian Breweries et les gestionnaires de l'entreprise de Québec vont faire du, je vais dire, aussi bon travail qu'ils auraient pu. Ils vont détruire complètement leur production qui était déjà dans les cuves au moment où c'est annoncé. Ils vont faire un nettoyage en profondeur de leurs installations. Au point de vue de relations publiques, le mal est fait dans la tête des gens. Canadian Breweries rapidement va prendre la décision de fermer toute sa production brassicole à Québec pour de bon en 1968. Et c'est ce qui mettait un terme à près de 300 ans de production de brassicole industrielle ici à Québec. Et la boucle s'est bouclée, si vous voulez, ici même, alors que la Canadian Breweries exploitait encore les voûtes Talon, c'est-à-dire le bâtiment à l'intérieur duquel on se trouve, qui était sur le site où on avait trouvé autrefois la première brasserie de Jean Talon, donc de l'autre côté de la cour, dans les voûtes où on se trouve, il y avait la brasserie de Jean Talon il y a 300 ans. On avait un petit salon de dégustation, salle de club social, qu'on pourrait dire, qu'on exploitait ici. Et on venait mettre un terme, on venait fermer ce qu'on avait ouvert pratiquement il y a 300 ans à quelques dizaines de mètres. Donc, c'est vraiment la fin d'une grosse époque de l'industrie brassicole ici à Québec quand cet événement-là se passe une fois pour de bon. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils sont passés de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers sont passés dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux